acheté mes billets pour rentrer à Paris. It's in Miami Beach, South Miami exactly. Beach. Longtemps que je ne vous ai pas parlé parce que comme vous l'avez vu je suis partie à Miami avec un groupe de copains qui sont tous des étudiants internationaux, des étudiants d'échange et du coup c'était bien, on y est resté 4 jours, j'ai pas eu trop le temps de vous dire ce qu'on faisait et tout parce que bah on s'amusait, enfin voilà quoi. Mais dans tous les cas, voilà, c'était bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que du coup, j'ai pas eu de vacances depuis que je suis arrivée ici. Et qu'on peut penser que je suis dans un environnement idéal avec les palmiers et le soleil. Mais voilà, enchaîner les semaines de cours comme ça, des fois ça peut être compliqué. Donc ça m'a fait du bien ces 4 jours en dehors du campus, en dehors de la ville, en dehors de toute la zone que je connais. Donc c'était cool. Puis voilà, écoutez, maintenant on reprend les bonnes habitudes, les cours, les devoirs, tout ça. Il reste un peu plus de 3 semaines, donc c'est vraiment pas grand chose, mais tout le monde est en train de se rendre compte que les examens finaux arrivent très vite. Et ceux qui n'ont pas travaillé depuis un certain temps paniquent. May of 2021. He grew up to be a lovely young man and then mommy left for a retreat and he melted down. And so now we're working on building him up again. But this is a collection of mine and all my friends' gum. Florida, born and raised, a true Floridian. The chocolate croissant from Starbucks is a fake. It is. But we made fabulous banana muffins. Yeah. And so basically we're gonna take over the world. Yeah. Really excited. And we don't call that chocolate croissant. We call that pain au chocolat. That was very close, but yeah. Pain au chocolat. Oh, yeah, wait. Pain au chocolat. That's it. Si ça résonne, vous savez dans quel endroit je suis.
Bref, ça n'est pas la question. Mais ce soir, c'est un peu compliqué. Ça faisait longtemps. Bon, bref, hein, la coupe. Voilà, je vous ai déjà dit. Mais aussi, je trouve que les vidéos que je fais, surtout face cam, ont un effet thérapeutique. Vraiment, je remarque que bon, c'est quand même une aventure, hein, donc c'est un développement émotionnel. Mais je trouve que le fait de faire des vidéos, ça m'aide à construire ce développement émotionnel. Je sais pas si vous avez compris. Mais voilà. En tout cas, c'est un effet thérapeutique. Et je me rends compte que si même dans ma vie quotidienne en France, je m'en ressens le besoin, je peux faire des vidéos telle une youtubeuse. Même si elles ne seront jamais uploadées sur YouTube, on s'en fout. C'est juste le fait de le faire et de poser des mots sur ce que je ressens. Et ça m'aide de parler en quelque sorte à personne, si ce n'est ma caméra. Parce que je me dis, personne ne peut me juger. Là, je peux dire, je sais pas, n'importe quelle chose. Enfin, bref, je peux poser des mots sur mes sentiments, personne ne va me juger. Voilà, parce que dans la vraie vie, t'as toujours quelqu'un qui te répond, hein. Mais là, je suis toute seule. Et ça peut être bien comme ça peut être mauvais. Dans le sens où des fois, bah, quand tu t'exprimes, t'as quand même besoin d'un petit feedback. Mais des fois, c'est bien. Parce que juste, tu sors ce que t'as à dire. Et des fois, c'est le fait de poser des mots qui te permet de passer à autre chose. Bref, c'est assez flou. J'ai besoin de m'exprimer. Voilà. Aussi, soit vous avez pas du tout de vidéo pendant une semaine, 10 jours, face cap. Soit vous en avez 58 d'affilée. Je ne sais pas doser, hein. Vraiment, ça se remarque. Bon, comme j'ai tendance à filmer que les moments où je suis triste, nostalgique, non, on va donner un peu de peps, là. Regardez ma moyenne dans une de mes matières. C'est pas genre trop beau? Je dois marcher seule sur le campus, chose dont je n'ai pas l'habitude puisqu'il fait nuit, je vous rappelle qu'on a changé d'heure, donc voilà. Mais je suis pas très rassurée parce qu'il n'y a personne, vu que tout le monde est rentré chez soi pour Thanksgiving. Que du coup il n'y a personne et que je vous avoue que je porte trop l'habitude, voilà. Donc, mais voilà, je pense que le pire c'est pas sur le campus, mais déjà avoir un campus vide comme ça, what the heck. Donc vraiment il y a littéralement personne, ça fait flipper. Tout le monde s'est cassé, quoi. Ah, je tiens à dire aussi, je ne marche pas pour mon pur plaisir, hein. Ça n'est pas ma passion de sortir comme ça sur le campus pour marcher dans la pénombre. Je vais aller voir un match de basketball de mon université. Mais du coup, le campus est hyper grand et on ne voit plus. Mais du coup, il faut aller jusqu'au stade. Enfin, pas au stade, mais bref, vous avez capté. Oh mon dieu. Voilà. Bidou. Encore une fois, vous avez un plan magnifique de ma tête et de mes narines. Vous avez des plans magnifiques. Voilà, vous êtes intimité profonde, on a dit. Donc, il n'y a pas meilleur plan que une contre-plongée pour être au cœur de l'action, vous voyez. Donc voilà. Bon, je suis déjà en retard. Ça s'entend, je suis essoufflée parce que j'ai marché vite. Donc je suis déjà en retard, donc je vous laisse en fait. Bisous. Une deuxième fois. D'habitude, les machines, elles sont toutes utilisées le jeudi, enfin à partir du milieu de semaine. Là, il y en a 2-3, c'est tout. Bon, du coup, comme il n'y a personne, je vais vous faire une petite visite guidée.
ici la cuisine, je pense que ça se voit. Ici un premier salon, voilà. Il fait très beau, hein, mais ça n'est pas le point de la vidéo. Et ici, bon, c'est un petit espace détente avec ping-pong et la télé. Et du coup ici, les machines à laver. Et également un autre espace pour travailler. Et il y a aussi des salles pour travailler. Voilà. Super. J'ai le building pour moi toute seule. C'est tellement vide. Le parking d'habitude est rempli. Les gens ont du mal à trouver de la place. Bon là, il y en a sûrement qui vont partir dans leur famille dans la matinée. Pour ceux qui habitent le plus près. Mais sinon... Waouh. Pas aller aux États-Unis sans aller voir un match de NBA. Du coup, on est allé un week-end à Orlando pour aller voir un match de basket et ça a donné ça. Picture. Pegopa? Shiba Pegopa. Good.
brother? It's like you and Maxime. Samedi 27 novembre, il est 11h14, 23h14 plutôt, bref, et du coup je suis rentrée de Orlando, j'ai filmé pas mal de trucs, mais j'ai pas eu le temps de vous lire ce qu'on a fait, pourquoi, avec qui, je sais pas, comme d'habitude j'ai pas le temps, je prends pas le temps plutôt, et mais voilà, je suis bien rentrée. Pourquoi nous sommes allés à Orlando, c'était prévu depuis quelques semaines déjà. Et du coup, on y est allé à la base pour le match de NBA, donc qui était donc les Orlando Magic contre Chicago Bulls. Anyway, Chicago évidemment a gagné, mais c'était très bien. Bon, c'était mon premier match de NBA à faire et à refaire surtout. Et c'était cool. Et du coup, comme le match finissait un peu tard, tout ça, bref, on a dormi là-bas et on a repris un bus que ce soir, donc on avait toute la journée pour visiter un peu Orlando. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ah ouais, on a trouvé un petit parc. Non, avant cela, nous avons mangé, je m'en rappelle, une petite boulangerie, enfin bref, un resto français et tout, c'était trop bon. Et après, on a été du coup au parc, au lac, au, je sais pas comment vous appelez ça, au parc-lac. Et c'était beau, c'était très beau, les couleurs étaient magnifiques, et voilà, c'est beau, une bonne ambiance, j'ai beaucoup aimé Orlando, je vais pas le cacher, je crois que j'ai préféré Orlando à Tampa, on sait pas, et vraiment j'ai adoré, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé la ville... l'ambiance de la ville trop bien, juste. Et après, du coup, il était 2h, quelque chose comme ça, on savait pas trop quoi faire. Et direction Disney Springs, donc c'est un peu notre Disney Village à nous, mais en beaucoup plus grand, taille américaine quoi. Et donc c'est gratuit, hein, c'est des magasins, des restaurants, des petites activités, tout ça. C'est cool. Beaucoup de monde en ce week-end de Thanksgiving, mais c'était cool, c'était à faire, un petit passage comme ça, beaucoup de monde, des prix exorbitants, vraiment, Disney quoi, mais c'était sympathique, on s'est bien éclaté, et puis après, lors du retour, voilà, et du coup nous sommes en rentrée, ça fait, en réalité ça fait comme 1 heure que je suis rentrée, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Rien du tout, c'est une pratique que j'aime faire, rien. Et des fois ça fait du bien de rien faire.
Mais j'ai une douche à prendre et je suis extrêmement fatiguée. Enfin, extrêmement. J'ai connu pire. Mais voilà. Donc, ça serait bien que je me bouge. Mais voilà, en tout cas, très bon week-end. C'était cool. Demain, on est dimanche. Je vais pouvoir me reposer. J'avais un truc de prévu, mais ça a été annulé. C'est pas grave. On prend les choses comme elles viennent. Et voilà. Ça, vraiment, Orlando, pépite. Ça m'a ressourcé. J'ai adoré cette ville. Voilà, je l'ai dit 8 fois dans cette vidéo. Mais Orlando. Anyway. Good night.